Les ressources de la première mine de lithium du Mali dépassent désormais 200 millions de tonnes. La durée de vie de la première mine de lithium du Mali, Goulamina, est actuellement estimée à 23 ans. Mais l'amélioration de l'estimation des ressources minérales du projet permettrait de prolonger cette durée, ainsi que la capacité de production annuelle. Au Mali, la compagnie minière australienne Leo Lithium a publié le 20 juin une nouvelle estimation pour la future mine de lithium Goulamina. Elle héberge désormais 211 millions de tonnes de ressources minérales, titrant 1,37% de lithium, soit une hausse de 48,2% par rapport à l'estimation de janvier 2023. Ce succès est principalement le fruit d'un peu plus de 40 000 mètres de forage menés depuis le début de l'année pour un coût d'environ 5 millions de dollars. Les résultats ainsi obtenus seront bientôt intégrés dans l'estimation des réserves minérales attendues en août 2023 et qui devraient prolonger de façon significative la durée de vie de la mine. Rappelons que la première production de concentré de spodumène est attendue au deuxième trimestre 2024 à Goulamina. Leo Lithium commencera néanmoins à expédier du minerai non traité dès le second semestre 2023, dans le but de générer des revenus avant l'entrée en service de la mine. Ainsi, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.